aujourd'hui, je vous retrouve une revue sur le site Amazon Beauty ou Beauté. Je ne sais même plus comment on dit, c'est pas bien du tout. J'ai pas très bien préparé mon truc, on va me dire. Parce qu'il y a un petit moment maintenant, Sananas et Picaboo, le blog, ont fait une vidéo dans laquelle elle présentait ce site, donc justement, et une offre vraiment très intéressante que j'avais partagée sur mon Instagram. Donc d'ailleurs, quand j'ai des offres, je les partage soit sur Facebook, soit sur Instagram. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, majoritairement Facebook, Instagram. Hein. Twitter, j'y partage mes articles. Donc si ça ne vous intéresse pas, voilà, je préfère être honnête. Hein, je ne vais pas aller vous faire miroiter des trucs. Snapchat, je n'ai pas, je n'aime pas. Voilà, si vous voulez avoir les infos quand j'ai des promos, des occasions, des trucs, je partage sur le réseau social du moment. Donc là, j'avais partagé l'info sur Instagram. Et malheureusement, j'ai des abonnés qui n'ont pas pu y accéder parce que c'est parti hyper vite. Parce que vu la notoriété des blogueuses qui ont été sélectionnées pour parler de cette offre promotionnelle, forcément, voilà, c'est parti très très vite. Donc l'offre était telle que pour 40 euros d'achat sur le site Amazon Beauté, on avait une box qu'elles nous ont présentée dans le détail, hein, donc je savais à quoi je m'engageais, gratuite en mettant un code, le code anniversaire d'ailleurs, dans la barre avant de payer. Donc j'ai sauté un peu sur l'occasion parce que le contenu me plaisait beaucoup. Donc aujourd'hui je vais vous présenter la box, je vais vous présenter les produits que j'ai achetés pour avoir cette box. Et je vais vous dire un peu les prix, un petit peu mon premier ressenti, des trucs, voilà. Enfin bon, une petite revue quoi, voilà. Hein. Alors, c'est lourd. Déjà je trouve que la présentation est super. J'avais jamais commandé sur Amazon Beauté, j'avais commandé sur Amazon mais jamais sur Amazon Beauté. Donc je trouve que la présentation est vraiment jolie. Si on veut faire un cadeau, je trouve que ça en jette quand même pas mal. Donc on enlève le petit ruban en satin. Voilà. Et à l'intérieur, on a... Oula, l'appareil photo avait failli virer là. On a la box Beauté Prestige. Donc voilà. Que je vais vous présenter après mes petits achats. J'ai mis des trucs sur ma table. J'ai plus de place. C'est bien la peine d'avoir pris une table. Et je vais vous présenter aussi les petites choses que j'ai achetées pour avoir cette box. Alors, à l'heure où je tourne cette vidéo, j'ai vu que la box était encore disponible au prix de 45 euros. Vu que je vous le redirai dans le détail tout à l'heure, elle a une valeur de 246,83 €, donc presque 250 euros. Si elle vous intéresse et que vous voulez bien dépenser 45 euros, c'est quand même valable. Donc voilà, je tenais quand même à vous préciser. Alors, qu'est-ce que j'ai commandé ? Alors, j'ai commandé 4 petites choses qui sont comme ceci. Faut dire que j'avais aucune idée de quoi commander, hein, je voulais juste la box. J'ai commandé... Dure cette vidéo, je la sens bien. J'ai commandé ces 4 petites choses-là. Alors, on aime bien, hein, c'est gentil, qu'est-ce que c'est, les petites boîtes, voilà. Chaque petit truc coûtait 11 euros. Et donc, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça vient de la marque... Scent to make you happy, Neom Organics London Intense. Alors voilà, Neom Organics London. Point la marque. Et donc ce sont des petits roll-on qui ont des propriétés propres à chacun et qui sont, d'après ce que j'ai compris, parce que tout est écrit en anglais, même si je me débrouille pas trop mal en anglais, j'ai quand même quelques lacunes. Qui sont 100% naturels, éthiques, qui viennent de vraiment la Grande-Bretagne, sans ingrédients artificiels, blablabla. Donc des produits à première vue hyper bio, hyper clean, qui se présentent chacun dans un petit roll-on comme ceci. Alors voilà, on a vraiment un petit roll-on. Hein. Avec la petite bille, là, vous voyez, c'est le système vraiment du roll-on. Combien fait chaque petit truc? Je ne sais même pas. 5 millilitres. Ça peut paraître peu, mais il en faut peu. Et il en faut peu, pourquoi? Parce que vous allez me dire, c'est quoi, du parfum, machin? Non. Ça, ce sont des roll-on qui ont des propriétés anti-stress ou énergisantes ou des choses comme ça. Parce qu'il faut savoir que je suis quelqu'un d'hyper nerveux et hyper stressé. Même si voilà, quand on voit comme ça, c'est pas tout de suite évident. Enfin, les gens qui me connaissent le savent très très bien.
Et j'ai trouvé que pour emmener, parce que comme je me déplace beaucoup, là en plus j'ai des formations, voilà, moi quand je pars quelque part, pendant un long moment, je pourrais pas être une youtubeuse, blogueuse hyper connue qui va à droite à gauche, parce que je pense que je ferais une dépression, quoi, tellement je suis pas faite pour ça. Moi j'aime bien être chez moi, voilà, j'aime bien être chez moi, avec ma famille, avec mon mari, avec mes enfants, avec mes chats, avec mon chat. J'aime bien être chez moi, je suis une casanière. Donc quand il faut que je voyage un petit peu partout, ça me stresse. Et voilà, donc il y a des moments où j'ai des coups de pompe, il y a des moments où j'ai des coups de blues. Et là, ça a l'air d'être des méthodes naturelles pour pallier à tout ça. Alors, le premier, Scent to Sleep, c'est le Intensive Deep Sleep Treatment Tranquility. Mon Dieu, quelle horreur cet accent. Donc voilà, qui se présente comme ça. J'aime beaucoup le packaging, je trouve ça hyper élégant, hyper joli. Non mais franchement, Alors, ça marche peut-être pas du tout, mais j'aime beaucoup le packaging en attendant. Et qui est à base d'huiles essentielles, de noix de coco, de lavande anglaise, de basilic, de jasmin et de 16 autres spécialités sélectionnées qui sont de pures huiles essentielles. Excusez-moi, c'est un peu haché, mais parce que tout est écrit en anglais, donc je le translate, je le traduis en instantané et voilà. Non, fort important. Alors, enlève le stress, calme et relaxe et aide à l'endormissement. Voilà. Alors, il suffit de mettre ces petites choses-là au niveau des poignets, au niveau derrière les oreilles. Et normalement, bah, la magie opère, quoi. Donc, il en faut très très peu, hein. Oh, ça sent à plein nez la lavande. Donc moi, c'est une odeur qui est vraiment calmante pour moi. Alors, une odeur que je déteste en parfum, mais tous les soirs, je mets un truc à la lavande. C'est le parfum Leblanc à la lavande. Tous les soirs, j'empulvérise mon oreiller pour m'aider à m'endormir. Sinon, j'arrive pas à m'endormir parce que je suis une grande insomniaque. Donc je pense que celui-ci va être très efficace sur moi parce qu'il sent vraiment la lavande. Le deuxième que j'ai pris, c'est l'Intensive Energy Boosting Treatment Burst of Energy Sense Boost to Energy. Donc, qui se présente comme ceci. Donc, celui-ci, vous avez compris si vous avez réussi à capter mon accent absolument horrible, énergisant. Ils se présentent tous pareil, hein. Huile de noix de coco, grapefruit. Prenez. Présent. Et ma fille est là, donc excusez-moi, mais elle a fait elle, donc je lui demande aussi quand j'ai un. Voilà. Citron, rosemary, c'est une fleur ça, la rosemary. Et 14 autres spécialités, toujours pure essentielle huile. Donc celui-ci, les boosters d'énergie. C'est-à-dire, voilà, pour redonner quand on a un coup de mou. Ah ouais, ça sent les agrumes. En fait, c'est vrai que moi je trouve que c'est cohérent maintenant que je les sens parce que je ne les ai même pas sentis. Hein. On a vraiment l'impression que ça va être énergisant. Donc ils sentent un peu le citron, il est très agréable. Et l'autre est tombé. Un troisième qui s'appelle Intensive Mood Lifting Treatment Grid Day. Donc ça c'est en cas de petit coup de blues. Et je pense que ça va être très utile quand je vais partir ces quelques prochains jours sur Paris. Où je vais être toute une semaine sur Paris. Vous allez me dire, ah, Paris c'est génial et tout. Enfin bon, je travaille de 8h. 8h30 à 18h, donc génial, pas vraiment. Et en plus, je vais être loin de ma famille, donc le soir, je pense que je vais un peu déprimer. Celui-ci, il est à base toujours d'huile de noix de coco, hein, je pense que c'est vraiment la base. De la menthe poivrée, de la menthe normale, enfin pas poivrée quoi, de la mandarine et de 5 autres spécialités d'huile essentielle. Ah oui, ça sent bon. Ça sent les fruits, ça sent la mandarine, ça sent l'été, c'est agréable. Et le dernier, c'est le Intensive Stress Relief Treatment Real Luxury, qui se présente comme ceci, et qui est un anti-stress. Et qui cette fois contient donc toujours de l'huile de noix de coco, de la lavande, du jasmin, alors rosewood, bois de rose, et 21 autres spécialités. Il en faut des trucs hein, pour enlever le stress. Ça sent aussi un peu la lavande, mais moins que celui pour dormir. J'ai envie de dire heureusement, hein, parce que si on met dans la journée parce qu'on est stressé et qu'on tombe endormi, c'est un peu embêtant. Donc voilà ce que j'ai acheté. Donc c'est vrai que ça peut faire un peu cher. C'est 11 euros le roll-on, en sachant que les systèmes de roll-on, moi j'aime bien parce qu'en fait on en met très très peu et je pense que ça va me durer un moment parce que je ne vais pas m'en mettre tous les jours. Mais voilà, ça peut aider, c'est naturel. Moi je suis très 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 réceptive aux odeurs. C'est vraiment quelque chose qui m'aide aussi bien à me
relaxer, à me dynamiser, à me déstresser, à m'endormir. Je suis quelqu'un de vraiment très très réceptif aux odeurs, donc je pense que ça va vraiment marcher sur moi. Puis bon, il suffit d'y croire des fois. Alors, la box Beauté Prestige, donc qui était offerte pour 40 euros d'achat, elle est quand même très très bien remplie. On a le petit bouquin hein, qui nous explique un petit peu tout ce qu'il y a dedans. Donc peut-être que je vais vous en causer un peu, mais je ne voudrais pas que la vidéo fasse 270 heures. Et à l'intérieur, quand on l'ouvre, alors priez pour que je fasse rien tomber, on a un truc, c'est quand même bien rempli. Voilà, alors on a des formats miniatures, on a des formats full size, voilà, on a un peu de tout. Je vais commencer hein, parce que sinon, on va y passer la nuit. Première chose qui est présentée dans le petit carnet, c'est le parfum, donc en full size, d'Emmanuel Ungaro, La Diva, eau de parfum pour femmes. Alors j'ai résisté parce que je ne l'ai pas ouvert, je ne voulais pas l'ouvrir avant de vous le présenter. Enfin, j'aurais pu enlever le truc plastique parce que finalement, je vais faire du bruit. Voilà, voilà, donc il se présente comme ceci. Alors déjà, j'adore le packaging extérieur, bien évidemment, qui me correspond tout à fait. À l'intérieur, on a un flacon qui est sublime, quoi. Mais vraiment, j'adore, quoi. Très rétro, très pin-up, j'aime vraiment beaucoup. Et alors, que sent ce petit parfum? On a un full size. Alors, il faut savoir qu'ils le disent bien, il y a plusieurs, comme souvent dans les parfums, il y a plusieurs tailles de flacons. Celui-ci, c'est le 30 ml. Je ne sais pas où je vais m'en mettre parce que... Oh, j'adore. Ah non, mais j'adore. Oh, j'adore. Mais vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Ah bah déjà, rien que ça, je suis ravie parce que le parfum, il vaut à lui seul 39 euros. Donc, il fallait commander pour 40 euros de produit pour avoir la box. Vous voyez déjà, rien qu'en commandant le parfum, on est remboursé si on aime ce parfum-là, forcément. Donc, ils disent un soupçon... Les notes de tête révèlent un cocktail fruité de poire et de framboise extraordinairement juteux. Et c'est vrai qu'on le sent. Un soupçon de poivre rose à la fois épicé et pétillant. Le cœur dévoile un bouquet floral gracieux. Les notes de fond plongent au cœur d'une volupté irrésistible dans une fusion agréable de miel et de vanille. Et les notes profondes, patchouli, enrichissent cette structure gourmande. Un jus, j'adore quoi. Gros, 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 top. J'adore. Puis alors moi, les parfums, je sais tout de suite si j'adore ou si j'aime pas. Hein. Au premier pchit, c'est vite vu. Ensuite, on a ce petit appareil-là. Alors, si vous êtes une habituée du blog, vous devez du voir parce que j'ai la Foreo Mini, j'ai la Foreo Normal. J'ai même présenté un dupe il n'y a pas longtemps qui vient des laboratoires Claire's. Et celle-ci, c'est la Foreo Luna Play Mini qui vaut 39 euros. Et là, j'ai quand même envie de faire... ouais, enfin, vous foutez pas de la tronche du monde. Alors ça, je suis heureuse de l'avoir. Pourquoi? Parce que, je viens de vous le dire avec mes trucs aux huiles essentielles, je pars bientôt une semaine sur Paris, donc en formation. Et ça, je vais le glisser dans ma trousse à emmener. C'est pas, ça prend pas de place, ça tient dans la main, c'est super. Et moi, c'est un appareil que j'utilise absolument tous les jours, le soir, pour me démaquiller. Le fait qu'il y ait des ultrasons, ça démaquille super bien, ça tonifie la peau. Donc, je suis une grande, grande, grande fan des brosses de ce type. Maintenant, 39 euros, j'ai regardé, parce que je vous l'ai dit, hein, j'avais vu le contenu de la box avant, elle n'est pas rechargeable, elle est jetable. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez fini et qu'elle ne marche plus, vous la foutez à la poubelle. Alors, je suis contente parce que je l'ai eu dans la box, youpi, youpi, je l'emmène, super, ça ne m'a rien coûté, ok. Maintenant, l'acheter, honnêtement, je ne peux pas vous le conseiller. Non, mais franchement... éthiquement, j'ai envie de dire, même si c'est un grand, grand mot pour une malheureuse petite blogueuse youtubeuse, mais je ne peux pas vous la conseiller. J'ai la brosse Claire's que j'ai reçue en partenariat, mais vous savez, enfin, si vous me connaissez depuis assez longtemps, vous savez que partenariat ou pas, à mon avis, il est honnête, qui est le dupe de la Foreo et qui coûte 49, je crois, ou quelque chose comme ça, ou 40 ou 49 euros, qui est rechargeable. Enfin, pour 10 euros de plus, vous avez un truc rechargeable qui va vous durer une éternité. Alors que là, vous la foutez en l'air. Alors oui, Luna nous met un petit code en nous disant « Voilà, vous avez apprécié, on vous offre le prix de votre mini brosse de réduction sur la grande brosse. » La grande à 169 ou 179. Bon,
Je l'ai reçue, je ne l'ai pas payée. Ok, ravie, super contente. Elle va aller dans mon petit vanity pour partir. Mais à acheter, franchement, je ne l'aurais pas acheté. Donc voilà, clairement, je tenais à vous le dire. Ensuite, on a ce pot-ci qui se présente comme ceci et qui est le Rodial Dragon's Blood Sculpting Gel en 9 ml. Et donc, il vaut 15,50 € dans ce format-là. Donc, en 9 ml. J'aime. Alors, là, je vous la fais un peu à l'arrache, mais normalement, on a une présentation comme ça où il faut pousser là-dessus. On a le gel qui sort. Je vais vous montrer la texture parce qu'on peut aussi l'ouvrir. Donc, voilà. 9 ml de produit, je trouve que c'est pas du vol, honnêtement, on a largement de quoi faire. Avec cette formulation, cette texture gel, il en faut vraiment peu, donc on a de quoi faire. Et ils nous disent, connu pour protéger des agressions externes, forme un film protecteur qui agit comme une seconde peau, apaise et régénère grâce à une action hydratante, améliore visiblement la forme, fermeté et l'élasticité de la peau, lisse visiblement, ridules. Ben, j'ai hâte de l'essayer, quoique je doute pouvoir un jour acheter le full size, parce que si les 9 ml coûtent 15,50 €, il me semble me rappeler, parce que j'ai fait le calcul en fait, j'ai pris le format full size et j'ai divisé, multiplié, j'ai fait des calculs savants pour vous donner les prix exacts. On ne doit pas être loin de 85 €. Moi perso, je ne peux pas. Hein, 85 €, ça fait un peu beaucoup. Mais voilà, je salue quand même l'effort d'avoir mis une miniature en reprenant le vrai packaging du full size. Et je trouve que ça en jette et j'aime beaucoup. Donc je suis contente de pouvoir le tester. Next, Saint-Tropez lotion bronzante sous la douche 50 ml. Je suis ravie. Ravie parce que c'est le genre de produit que je n'ai jamais osé acheter. Alors que les autobronzants Saint-Tropez sont connus, ultra méga connus, notamment chez les anglophones. Qui en parle dithyrambiquement de tous les printemps juste avant l'été et même en arrière-saison pour prolonger le bronzage. Et moi, j'ai toujours peur avec les autobronzants, c'est de me louper et de finir orange. Donc celui-ci, il est top à première vue parce qu'il s'utilise sous la douche. Donc c'est génial, non? Nouvelle lotion bronzante révolutionnaire, formulée pour être utilisée sous la douche. Donc là, c'est une version médium pour un effet naturel profond, doré et lumineux. Je pense que je l'utiliserai que sur les guiboles, hein. Je ne vais pas faire la totale, ça ne sert à rien. Non. Agit en seulement 3 minutes, puis progressivement au cours de la journée. Composé de DHA végétane premium 100% naturel, enrichi en jojoba pour booster l'effet bronzant et hydratant sans parabène, sans sulfate et sans phtalate. Donc faut que je regarde exactement comment on s'en sert, mais je pense que voilà, on le met sous la douche, on rince et enfin franchement, je suis hyper contente. Et en format comme ça coûte 7 euros. Ensuite, on a le Ultrasun. Gel après soleil au liposome et absorption rapide, non gras et non collant, 50 ml. Donc, bon, 50 ml, voilà, hein, c'est pas un full size, mais 50 ml, c'est hyper généreux. Il vaut en ce format-là 7,33 €. Voilà, bon, ben, un après soleil, c'est toujours bon. Même si on n'est plus en été, on a encore de belles journées, enfin, là, à l'heure où je filme. D'ailleurs, aujourd'hui, il fait super beau. Et puis après soleil, il ne faut pas oublier que l'hiver, on est aussi. Enfin, le soleil d'hiver, il ne faut pas s'y tromper. Il peut être aussi nocif et faire ressortir moi mes taches de pigmentation. Donc je suis très contente de tester ce produit. Ensuite, Christian. Il faut que j'arrête de dire ensuite, je pense que vous avez compris. Christian Breton Liftox soin dérideur instantané 10 ml. Alors ce truc coûte une blinde. Il vaut 49 €. Dans ce format, hein, je vous donne les prix format dans lesquels je les ai reçus. Liftox est le premier soin liftant aux peptides de simili venin de serpent. Donc je pense que ce n'est pas du vrai venin de serpent, mais du simili venin de serpent. Ça me fait un peu peur, moi, ce genre de truc. Parce qu'en sachant qu'on m'avait proposé de tester des trucs au venin d'abeille et que moi je suis. Enfin, au venin de guêpe, ou je sais pas quoi, et moi je suis allergique aux piqûres de guêpe, donc ça me fait toujours un peu peur de mettre des trucs de venin ou de bave ou de machin sur la tronche. Il libère l'éclat du contour de l'œil, atténue l'apparence des rides de dépression. C'est en format roll-on.
Les rides semblent dépulpées, la peau est raffermie, lissée, apaisée. Bon, bah écoutez, voilà, ça se présente comme ça. Je vais essayer sur la main. Alors bien si j'ai la main qui double de volume. Ils sont pas mauvais. C'est frais. Bon, je verrai bien, mais... Ouais, ça vaut le coup. Ouais, c'est un bon produit. Ok, il coûte cher. Maintenant, les trucs venin de serpent, je suis pas sûre. Je suis pas sûre de ne pas en faire cadeau parce que voilà, c'est pas le genre de produit. Ça me fait un peu peur. Donc voilà. Mais c'est un très bon produit et franchement, pour le prix, enfin pour la box offerte ou même si vous l'achetez à 45 euros, vous voyez qu'elle est déjà largement, très largement remboursée. Alors, on a aussi Skin & Co. Roma, huile nettoyante à la truffe, 30 ml à 3,90 €. Donc, j'ai été surprise parce que je croyais que j'allais trouver ça beaucoup plus cher que ça. Parce que je me suis dit, ouais, la truffe, ça va coûter. Bah non, 3,90 € les 30 ml. Donc, finalement, c'est un produit que j'achèterais peut-être en full size parce qu'il n'est pas très cher en présentation comme ça miniature, donc pourquoi pas. Donc, c'est une huile démaquillante, je pense qu'elle va rejoindre mon petit vanity pour partir. Elle est à base d'huile d'amande douce, d'huile d'argan bio, de truffe, d'huile minérale. Elle est surpuissante pour enlever le maquillage waterproof, blabla. Donc très contente de l'avoir, voilà, un très bon produit que je suis contente d'essayer. Heisenberg masque tenseur remodelant en 15 ml. Le prix des 15 ml est de 14,60 €. Donc c'est ici. Masque magique. Tintin, Harry Potter sort de ce tube. Avec une intense action anti-âge, liftante, raffermissante, repulpante, visible instantanément pour toute la journée. Une émulsion fine avec des vitamines A et E encapsulées, de l'huile de pépins de raisin, des extraits de thé vert qui agissent contre la perte de fermeté, les rides et les taches pigmentaires, ça m'intéresse vachement. Spécialement conçu pour le visage et les yeux, ce masque est votre anti-grismine, formulé sans parfum, testé ophtalmologiquement. Eh ben, why not, hein, j'ai envie de dire. Bon, un peu cher, hein, 14,60 €. Les 15 ml, mais pourquoi pas, je les serrerai avec un grand plaisir. Panne Puri, alors je ne sais pas si on dit ça comme ça parce que c'est P-A-N et sur le N il y a le petit accent là comme ça, mais moi j'ai pas fait de langue un peu hispanique donc je ne sais pas du tout. Enfin voilà, baume tonifiant pour mains et ongles en 30 ml et qui coûte 7,60 € dans ce format-là. Et j'aurais dû enlever les plastiques avant. Pas très malin. Donc j'aime beaucoup la petite boîte vert amande. Hein. Je trouve qu'elle est très très jolie avec le petit logo doré. Donc c'est déjà c'est très sympa. Et le tube, bah, vous avez vu, j'ai pas senti rien du tout parce que je l'ai ouvert devant vous. Donc le tube se présente comme ceci. Donc on reprend les couleurs un petit peu pâte d'amande avec le doré. J'aime beaucoup. C'est vraiment très élégant. Et qu'est-ce que sent cette crème? J'ai enlevé le petit opercule d'ailleurs. C'est un opercule. Merci Betty. Essayez de parler français jusqu'à la fin. Chapeau. Franchement. Menthe poivrée, jasmin sensuel, ylang-ylang. Je pense que c'est l'ylang-ylang qu'on sent le plus. C'est cette odeur-là. C'est pas désagréable. Donc voilà, bon, un baume main et ongles, on en a toujours besoin, moi j'ai envie de dire. Sacha Juan. Sacha. Non, Juan, ça fait bête. Hein. Sacha Juan. Hein. Juan. Hein. J-U. Juan. Juan. Hein. Toujours ma fille, merci ma fille. Sacha Juan qui a fait elle de l'espagnol. Un shampoing en 100 ml normal air shampoo. Bon voilà, en normal, je pense que c'est tout à fait justifié qu'ils mettent un shampoing normal pour dans une box qui est adressée à tout le monde où on ne choisit pas et on ne remplit pas de questionnaire beauté. Voilà, un shampoing normal, basique, ça peut aller à tout le monde. Donc je pense que celui-là, il va se glisser dans mon vanity pour partir. Il sent bon. Apporte aux cheveux brillance, volume grâce au complexe Ocean Sleek Technology, donne à la chevelure un aspect souple. Donc voilà, et le shampoing il coûte 8 € comme ça en 100 ml. C'est quand même pas donné hein. On arrive bientôt à la fin. Topic Air
Fettner Sérum Épaississeur Avancé. Épaississant cheveux topiques est un traitement sans rinçage. Ah, ça, j'adore sans rinçage, c'est pour moi. Pour les cheveux clairsemés ou fins. Yeah! Fin! Tapez dans vos mains! Donnant du volume, de la brillance et de l'épaisseur aux cheveux, son mélange unique de protéines et de kératine et de nutriments nourrit et imprègne la tige des cheveux pour une chevelure belle et vigoureuse. Et il coûte 9,90€, on en a là 30 ml. C'est la première fois que je suis contente de recevoir un produit cheveux, moi, dans une box. Parce que franchement, je suis pas fan des produits cheveux, j'aime pas mes cheveux. Mais alors là, si celui-là, il donne de l'épaisseur, du volume et de la brillance à ma tignasse, j'achèterai. Donc, à tester et on verra s'il tient ses promesses. Oui, alors vous avez eu le mal de mer là, parce qu'en fait, j'ai fait bouger la caméra en même temps que j'ai posé le truc. Avant-dernier produit, le May Couture Papier de Maquillage 50 pièces. Alors là, j'ai un grand moment de doute, parce qu'en fait, quand j'ai regardé la vidéo de Sananas et de Peekaboo, elles ont dit que c'était des papiers matifiants absorbants. Mais c'est pas ça. Je suis désolée. Alors, je veux pas critiquer ni l'une ni l'autre. Hein. Je les aime beaucoup, sinon je les aurais pas regardés d'ailleurs. Ce sont des papiers blush. C'est marqué là. Voilà. Donc, moi, je conseille pas de vous matifier avec. Hein, parce que vous allez avoir du blush partout. Elles se sont matifiées à la caméra avec. Je sais pas, moi, je conseille pas de se maquiller avec. Mais c'est marqué, vous cherchez désespérément une dose de couleur, légèrement poudrée, sans parabènes, ni pigments, ni blablabla. Plus besoin de brosse sale ou de maquillage, détachez une feuille du carnet, puis frottez doucement le côté coloré du papier en mouvement semi-circulaire jusqu'au pot de mettre. Ce sont des blushs, des petits blushs. Donc je suis d'autant plus contente parce que moi des papiers matifiants, j'en utilise pas. Par contre, des petits papiers blush, je trouve ça super rigolo. Il y en a 50 dedans, ce que je trouve très très généreux. Je pense que c'est un full size et ça vaut 17€. La couleur est un... Ouais, je pense que ça va à tout le monde, ça. C'est une couleur passe-partout, hein. Bonne mine. Hein. Donc, parfait pour un peu toutes les carnations. Bon, peut-être que les peaux les plus foncées, on verra pas grand-chose. Mais sinon, je pense que ça ira à peu près tout le monde. Et puis, comme on le passe comme ça, ça doit pas non plus être... Enfin, voilà, hein. Et le dernier produit, c'est encore un produit de maquillage, donc je suis ravie, c'est le rouge Bunny Rouge. Alors, rouge Bunny Rouge, hein, je ne bégaye pas, ça aussi, ça m'est arrivé beaucoup là, mais pas maintenant. Mascara Modeling Midnight en full size, puisque c'est un 7 ml qui vaut 29€. Et qui est sans titrétanolamine. Super, pourquoi je me suis amusée à dire ça. Silicone, sans parfum, sans alcool, il a de la kératine, des cires naturelles, il est intense, il dessine, courbe et allonge en douceur. Bon, bah écoutez, si ça tient toutes ses promesses, c'est le mascara du siècle. Sa brosse a une petite tête d'ogive, là, un peu pointue, en silicone. Donc, je testerai, parce qu'en ce moment, je suis en plein test déjà d'un mascara, donc je vais pas le tester tout de suite, mais je testerai. Et on a en même temps 10€ de réduction avec un code valable sur tous les produits de la page Beauté Prestige, voilà. Donc je suis vraiment, vraiment super contente d'avoir pu profiter de cette offre. Je suis déçue si vous n'avez pas pu le faire, mais je vous dis, à l'heure où je tourne, elle est encore en vente. Donc forcément là, elle est vendue, elle n'est plus cadeau, mais elle est à 45€ pour un total de 246,83€. Donc si elle vous intéresse, n'hésitez pas. Foncez. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.